Bonjour et bienvenue sur les abonnés sur cette Inventum 2. Alors, je vous montre mon inventaire. C'est une vidéo où je vais vous montrer tout mon inventaire de stickers à elle, à cadeaux, à jouets, à compagnons et même à favoris. Du coup, on va se trouver un bon petit coin. Ben, on va se téléporter chez moi. D'ailleurs, hier, j'ai économisé 2250 pour une maison. Maintenant, 2750 pour une maison. Et là voilà. Alors, déjà, dans mon inventaire, on va faire le tour des pets. Sans en équiper un, bien sûr. En premier, on a la ballon unicorn. Alors, elle s'appelle Ronnie et j'ai mis une stat summer faire. D'ailleurs, vous voyez très bien qu'il ne l'a plus, je suis triste. Ça a deux. Et pour ceux qui ont eu des jetons d'écurie, on peut les lancer à notre compagnon. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait la course contre mon squelette 13, Thomas. C'était trop marrant. Bref. Par contre, elle dure que 2 minutes, cette vidéo. Après, on a un book. Ce book, il s'appelle Book d'ailleurs, représente les tronches en tout cas. Et voilà, c'est un book. Ensuite, on a l'ami cactus qui s'appelle Mel. Mais est-ce que vous vous rappelez des œufs. Comment ça s'appelle? Des œufs du désert, et je l'ai eu là-dedans. Après, j'avais eu un Cryosphinx, mais je l'ai trade pour avoir. Thomas. Lui. Ensuite, vous voyez que. Non. Bon. Le lièvre confié, ça, il l'avait à la mise à jour. Comment ça s'appelle là? À la mise à jour de Noël. Avec la petite histoire, c'était nickel. Et le dragon chauve-souris Pépito Choco, tout le monde le recherche, mais moi, je l'ai. Il n'est pas FR. Mais il m'a coûté 1000 Robux, pareil, à la mise à jour de Noël. Ensuite, on a le cobra qu'on peut trouver, enfin, qu'on ne peut plus trouver, mais qui était au château. Lui, je le garde, parce qu'il est raid, et puis il est très rare, il n'est plus dangereux. Ensuite, on a à la Stade Summer Fair, pareil, Poufy. C'est mon petit chien hot dog. Je l'adore, je ne le revendrai pour rien au monde. Je ne le trade pas, je le préviens à tout le monde. Je ne trade pas mon Poufy. Ensuite, après Poufy, nous avons le bébé bougie qu'on peut toujours trouver au château en hauteur. J'ai même fait des tutos, allez voir cette vidéo, tuto comment monter sans petfly et tout, là-haut. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et sinon, c'est mon petit bébé bougie. Pareil, je ne l'échangerai contre rien au monde. Il est trop cute et il s'appelle Punk. Hop là. Ensuite, on a une coccinelle en diamant basique, je ne vais pas présenter. Un Maï Maï diamant basique, je ne vais pas présenter. Après, on a un Cercinix que j'ai eu à la mise à jour d'Halloween. Et vraiment, elle m'a coûté très cher. J'ai économisé ou je l'ai eu en trade, je ne sais plus, mais en tout cas, je l'ai eu. Ensuite, en dessous, on a mon dodo nommé Opila. Il est trop chou. Vraiment, ça, c'est un amour. Et à côté, on a mon premier pet. Et oui, après le chien, c'est mon premier pet que j'ai eu dans un Kraken Egg. Et que je n'échangerai contre rien au monde, c'est Flamme. C'est mon dragon et je l'ai mis en Flyer Eye. Et j'ai une lune. Ouais, et les dragons, ils ne sont plus dans le jeu, je crois. Du coup, ils doivent valoir très cher. Alors. Ensuite, on a... une lucioles qu'on peut trouver dans la petite cabine du campement. Elle s'appelle Lucie. Cool, mais c'est pas mon pet préféré, j'aime pas trop. Après, on a Frosty's FR, Marrage de Ginny. Mon Frost, plus connu sous le nom. Mon Frost Fury, il est trop beau, j'adore. J'adore. Oh là là, c'est mon amour, ça. Je suis en train de... Bon, mon amour est un peu dans le sol. Non, c'est bon. Mon amour n'est plus dans le sol. Ensuite, on a ma coccinelle dorée
que j'ai trahi toute une grenouille, mais que j'ai récupéré après. Trop gentil ce gars. Je ne dirai pas le nom, j'ai encore la traite, mais je m'en souviens plus et j'ai la flemme de la chercher. Juste à côté, on a un bois d'or que j'ai eu en trade. Je crois que c'était dans les œufs mythiques. Il s'appelle Zuleta R. Au début, il s'appelait Star R, mais bon, j'ai changé son nom parce que Zuleta, c'est dans Animal Crossing. C'est une fille qui est vraiment très... On peut passer par là, je ne savais pas. Je suis en train de découvrir ma maison, carrément. Ok, des cartons, c'est bien. Bref. Après Zuleta, on a un Green Butterfly à l'événement des papillons. Hein. À côté, on a l'événement de l'automne, le Green Chest de Pantia. C'est un légendaire, il s'appelle Jocelyne. Je croyais qu'au début, il s'appelait Jeannette, mais c'est pas grave. Après, on a un Griffin qui n'est plus en jeu et qui s'appelle Lily d'ailleurs. Que je vais appeler voilà, j'aime bien appeler comme ça là. Petite étoile. Bref, on va déséquiper ce griffin, mais pareil je le trahis pas. Après on a un chamomie doré d'Halloween, je sais pas c'était dans quoi parce que je l'ai eu en trade pareil. Juste à côté on a une falaine de glace qui s'appelle Slushy. Trop cute Slushy. J'adore. Elle est trop chou. En fait, je la trade plus. Parce qu'avant, je la tradais, mais là, je la trade plus. Elle est trop chou, c'est bon. En plus, comment vous faites les lettres personnalisées? J'ai jamais su, moi, ça. Après, on a un dragon de la qui vaut très cher parce qu'il n'est plus en jeu. Mais je le garde. Je le garde, d'accord? Ensuite, on va arriver à ma plus grande fierté. On a un mannequin écho. Bon, ça, c'est pas mon préféré, mais comme c'est japonais, moi, je suis pas japonaise, mais j'adore la tradition japonaise, on va mettre un pouce, parce que c'est un mannequin écho et j'aime trop les chiens. Ensuite, on a un dragon céleste qui s'appelle Nedrak, il est trop chou, j'adore. Je l'avais eu à la mise à jour du Nouvel An Lunaire chinois. Ensuite, ma plus grande fierté que j'ai eue il y a pas longtemps, j'ai même fait deux vidéos sur ça, c'est un Nessie. J'ai eu le Nessie partie 1 et j'ai eu le Nessie d'Adopt Me partie 2. Je suis trop fière, il est trop beau. Et celui qui dit qu'il n'est pas beau, vous êtes jaloux. Mais non, ça va, qu'est-ce qui se passe dehors? Je sais pas, hein, qu'est-ce qui se passe dehors. Bon. Ensuite, on a un robot dog. Je suis pas fan, mais comme il n'est plus dans le jeu, ben voilà. Après, on a un anisote d'érable dans les œufs de jardin. Je l'ai eu en train, mais je le garde quand même. Voilà. Alors, dans les œufs de jardin, je vais peut-être en racheter. La prochaine fois, j'ai 750 bucks. Parce que il manque deux légendaires. Le puceron doré là et l'ami champignon qui est un peu comme l'ami cactus. Bon, après on a un Shetland marron clair, c'est à la mise à jour de Noël que je l'ai eu. Mais bon, il y a vraiment de très longtemps, hein, vraiment. Au moins 2020. Après mon squelette Rex Thomas, et regardez quand j'appuie dessus, derrière il disparaît, du coup c'est trop stylé. Et je vais le reprendre. Et il est là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette partie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et j'aimerais vraiment que ça perce et que ça fasse beaucoup de vues. Donc, appelez tous vos potes. Yay!